Professeur Didier Raoult, pouvez-vous faire un point sur les différents tests disponibles pour diagnostiquer le Covid, lesquels sont valides, lesquels ne sont pas valides, lesquels sont les plus efficaces? Oui, c'est un bon exemple d'illustration du fait que tout part dans tous les sens et que il n'y a pas beaucoup de science dans toutes ces décisions, une partie des décisions politiques. Nous, on vient d'avoir deux articles acceptés hein, dans les journaux de référence, le Journal of Clinical Microbiology et le Journal of Clinical Virology, sur l'évaluation des tests. Donc, par exemple, les tests nasopharyngés par détection d'antigènes qui ont été achetés en France pour faire de la détection partout ont une sensibilité qui n'est que de 70%. D'accord? En revanche, nous, on a utilisé une technique de PCR rapide en 20 minutes, qui est développée chez nous depuis début août, hein, qui donne le diagnostic en 20 minutes et qui a une sensibilité de 100%, mais qui détecte un peu plus loin que ce qu'est le seuil dont je vais vous parler, et qui donc, quand on a des prélèvements qui montrent que l'on a très très peu d'ADN, il faut le vérifier par notre méthode. Donc globalement, nous, depuis très longtemps, et je pense qu'on est les premiers au monde à faire ça, et c'est publié, et ça a été repris par, pour une fois, un rédacteur, le docteur Fauci, qui est le directeur du NIH aux États-Unis, parce que personne n'a de données comparables à ce que nous avons publié. Nous avons publié des milliers de souches, et nous avons comparé le nombre de CT, c'est-à-dire ce par quoi on répond à la PCR avec la culture, et il y a des cultures positives, donc de l'infectivité, mais seulement jusqu'à 35 cycles. Donc, jusqu'à 35 cycles, il faut les répondre. Après 35 cycles, il ne faut pas les répondre. Et il y a une confusion terrible, je pense, j'engage le gouvernement, si ces papiers sont online chez nous. Si eux, moi, je pourrais leur envoyer les papiers, parce que ça, c'est des vrais travaux scientifiques, c'est pas des « j'ai testé trois trucs, ça marche », ou « j'ai testé quatre trucs, ça marche pas ». Donc il faut rétablir la place de la science, c'est-à-dire les publications, vérifier avec des données comparables, avec des gold standards, ce qu'on appelle des gold standards, derrière la donnée de référence qui est la culture. Or, à ma connaissance, personne n'a fait autant de culture que nous, pour valider les PCR, donc c'est ces données-là qu'il faut utiliser. Je suis content qu'on les utilise maintenant aux États-Unis. Où en êtes-vous du traitement par hydroxychloroquine? Ben, on est très content parce que là aussi, pendant que tout le monde parle, donne son avis, nous, on fait notre métier de scientifique, c'est-à-dire qu'on écrit, on travaille, on soumet nos articles dans des journaux et ils sont acceptés. Donc là, on vient d'avoir un papier. Là aussi, moi, je conseille à tout le monde de le lire, qui est un papier d'évaluation de l'efficacité du traitement par hydroxychloroquine plus azithromycine dans les EHPAD. Et donc, dans ce papier, qui est consultable là aussi sur notre site, eh bien, on montre quand on traite les gens dans les EHPAD, la mortalité est divisée par deux, c'est-à-dire que l'on passe d'une mortalité moyenne qui est de 27%, qui était celle qui était observée partout en France et observée à Marseille quand on ne traitait pas, parce qu'il y a des EHPAD dans lesquels on ne traitait pas. Eh bien, alors que quand on traitait, on avait une mortalité de 13%. C'est des différences absolument considérables. C'est la moitié. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je conseille vraiment pour ceux qui s'intéressent vraiment, pas qui racontent comme les journalistes que je raconte, mais tout le monde sait que ça ne marche pas, tout le monde sait, je ne sais pas qui sait que ça ne marche pas. Il y a un site très très bien fait sur lequel on va vous faire une petite démonstration qui s'appelle c19study.com qui analyse toutes les publications qui sont faites sur tous les traitements. Alors, sur l'hydroxychloroquine, ce n'est pas deux ou trois. Il en sort toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Donc, il y a maintenant 160 études sur l'hydroxychloroquine. Et la conclusion, c'est qu'il y en a 85 qui trouvent un effet positif de l'hydroxychloroquine, 30 qui trouvent un effet négatif, et les autres qui ne montrent pas d'effet significatif. Au total, la somme de toutes ces données qu'on fait par des méthodes de méta-analyse dit qu'il y a un bénéfice dans 64% des cas où il y a un traitement précoce et dans 26% des cas où il y a un traitement tardif. Donc, il faut arrêter de dire que la chloroquine, le problème est réglé, il est surtout réglé pour ceux qui ne regardent pas la littérature. Ceux qui regardent la littérature ne pensent pas à la même chose. Donc, je vous conseille de regarder ce site, il est accessible sur la petite démonstration qu'on va vous faire. Et donc, concernant les autorisations d'utilisation de la chloroquine, les autorisations de prescription et de délivrance, où en êtes-vous auprès de Sanofi et auprès du ministère de la Santé? Écoutez, moi j'ai un de mes amis qui est un des plus extraordinaires professeurs de médecine qui m'ait été donné de rencontrer dans ma vie, qui est Dominique Maradin, qui j'ai dit
à la commission d'enquête parlementaire, j'ai transmis au ministère de la Santé, vous devriez demander son avis à Dominique Marlinck. Pourquoi ? C'est lui qui a implanté ici les greffes de moelle pour les leucémies, pour les cancers. Ensuite, il a dirigé le centre anticancéreux de Marseille pendant extrêmement longtemps. Ensuite, d'ailleurs, à la suite de ça, il a été condamné par l'ordre pour une décision qui a été cassée en Conseil d'État. Ensuite, il est devenu président de l'Institut national de lutte contre le cancer. Ensuite, il est devenu le directeur de l'ANSM, et c'est lui qui a inventé les RTU, d'accord, pour répondre au problème des prescriptions hors AMM. Je lui ai demandé de venir faire une conférence chez nous. Elle est en ligne, chez nous, vous pouvez la regarder. C'est une très grande leçon de médecine donnée par un des très très grands messieurs de la médecine, pour lequel j'ai une admiration folle. Et vous verrez qu'il explique que les RTU ont été faits pour des situations qui sont exactement celles pour lesquelles je l'ai demandé pour l'hydroxychloroquine. Et c'est lui d'ailleurs qui m'avait dit, écoute, Didier, il faut absolument que tu demandes un RTU parce que honnêtement, je l'ai inventé pour ça. Et faire un article dans le New England pour expliquer pourquoi il fallait un RTU. Et ça correspond exactement à ça. Et si moi j'étais encore directeur de l'ANSM, c'était le prédécesseur de directeur actuel Dominique Martin, il y a bien longtemps que j'aurais mis en place un RTU. Donc il faut le regarder, parce que c'est extrêmement important. Quant à Sanofi, vous voyez, pour rassurer ceux qui pensent que j'ai des liens d'intérêt avec Sanofi, en contraire, je suis obligé de me battre régulièrement pour pouvoir avoir du Plaquenil, pour pouvoir le distribuer ici, à telle enseigne que j'ai fini par demander maintenant que soit clarifiée la position de Sanofi vis-à-vis du ministère, qui vient d'écrire une lettre au ministre, que je vais mettre sur le site, qui dit « Maintenant, monsieur le ministre, il faut que vous me disiez si j'ai le droit ou pas de livrer l'IHU en hydroxychloroquine, parce que je ne comprends plus ce que je fais. » Donc j'espère que le ministre va répondre à cette question. Comme ça, on verra qui c'est qui ment dans cette histoire. Est-ce que c'est Sanofi qui ment en disant « Non, non, j'ai des consignes ou j'ai des interrogations qui ne me permettent pas de le livrer. » Ce qui est du refus de vente, en pratique. Et donc je pense que Sanofi prend des risques dans ces conditions. Sanofi n'a pas à savoir à quoi nous utilisons les médicaments que nous recevons dans un hôpital, d'une part, et d'autre part, savoir si c'est le ministère qui essaie, après avoir pris des arrêtés nous autorisant à utiliser ce médicament, qui incontestablement, dans les trois quarts du monde, est considéré comme étant efficace, essaie de passer par une relation biaisée avec Sanofi. Il faut clarifier cette situation. Et de toute manière, pour la clarifier, il est clair que la réponse que nous a donnée le directeur de l'ANSM sur les RTU est absolument déraisonnable sur le plan du raisonnement scientifique, absolument déraisonnable. Les gens n'ont pas fait la littérature, ils ne m'ont pas consulté, à ma connaissance, ils n'ont pas non plus consulté Sanofi. Et donc ceci ne ressemble pas à une décision raisonnée, mais une décision personnelle. Et qui est la raison pour laquelle j'ai à la fois, bien sûr, je ferai appel en Conseil d'État, d'une part, et d'autre part, j'ai décidé d'attaquer le directeur de l'ANSM parce que je considère qu'il joue un rôle qui est dangereux pour la santé des Français.